Tamari Mataya est la troupe la plus titrée en chant. L'année dernière, elle a été lauréate dans 4 des 6 disciplines de chant, et notamment en Tarava Tahiti, le plus complexe des Tarava et le plus riche en nombre de voix. Le thème choisi est le Turei, ancien Heiva. Quand on parle de Turei, il n'y a pas de mince, il n'y a pas de grosse, il n'y a pas de fatigue et tout ça. C'est toute la population qui quitte sa commune pour rejoindre propriété pour la danse. C'est ça la culture dans le temps. Pour gérer la troupe de 200 personnes, la chorégraphe d'expérience, qui en est à son premier Heiva avec Tamari Mataya, a sa méthode. J'ai toujours travaillé avec cet instrument, même avec Vera O, donc on m'a dit peut-être que c'est un pot de bonheur, mais c'est mon instrument fétiche, voilà. Donc ça évite de crier éventuellement, donc voilà. La discipline est de rigueur. Les chanteurs-danseurs l'acceptent volontiers. Je ne vais pas dire que c'est plus difficile que les années précédentes, mais on va dire que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par rapport à 2016, oui, c'est beaucoup mieux cette année. On a appris beaucoup de choses par rapport au corps. Ici, chacun est heureux d'apporter ses compétences pour valoriser et renforcer le groupe. On a des super chorégraphes, donc c'est super top. On s'entend bien avec toutes les filles, donc c'est mon 7e Heiva et ça fait partie de mes meilleurs Heiva. Cette histoire que nous apportons sur Toata, c'est un peu une trace de notre patrimoine, de notre histoire, et donc je suis très fier de représenter cette histoire. Comme un seul homme, les danseurs s'assemblent, tel le guerrier qui s'opposa au passage de la reine Pomare IV, l'empêchant de s'approprier ses terres. Toute une symbolique pour la population de Mataya, très fière de sa culture et de son histoire.